Faut peut-être mettre la crème sur tes mains. Oh, ça va passer maintenant, c'est fini. Maintenant, je mets deux gants pour l'instant. Parce que... Il faut mettre les chaussures à golf dans la voiture. J'ai oublié. Pour ne pas oublier, il faut les mettre derrière la voiture. Pensé. D'habitude, je pars avec mes chaussures. Hein, parce... J'ai pas pensé. J'ai plus pensé que j'allais au golf. Bon, tu vas voir donc le champion. Hein. Tu te qualifies déjà un champion. Il faut être très positif. Oui, tu peux être positif. Il oui. faut laisser les autres déprimer, pas trop. Le champion va jouer. Allez, vas-y. Champi. Oui. D'accord. Le golf, la oui. Il y en a qui tapent comme des malades, ils n'envoient jamais la balle. Bonjour, c'est le monde. La reine Metica est à Malaga. Ouais, celle-là, c'est. Oui. T'as bien donné. Oui. Le plus long, c'est 200 mètres. Oui, le plus loin, mais ça, il faut d'autres instruments. Hein, c'est pas oui. Ça. C'est pour envoyer pas loin. Hein. Puis, je vais l'envoyer dans le panier. Là, ah. Les vacances ont commencé. Je vous donne rendez-vous ce soir. Oui. C'est un club qui va pas loin. Maïen, j'ai bien mangé aujourd'hui. Les Munjamoto. Wow. Oui. Bonjour, bonjour. La reine Metica. La reine Metica. Et ah. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous à la deuxième résidence. Répondre à la deuxième. J'avais promis répondre dans 4, mais je crois même que je vais m'aller mais dans 6. Donc je suis arrivée bien. Nadine Bella, bonjour. Tu les tires plutôt vers le haut? Ouais. Je vais l'envoyer dans le truc. Ah d'accord. Il y a un chien qui va pas loin. Oui. Mais c'est pas chaud. Maï Allen. Ben Metica. Celle-ci, elle va rentrer dans le. Dans le panier. Papa, elle est. Papa, elle est golf. Nzouk. Nzouk, il y a un de la look. Nzouk, il y a un de la look. Encore 5 mètres. C'est comme tirer. Attends, tu veux m'installer pour voir où ça tombe? Attends, voilà.
Bonjour. Ça va bien. Oui. On va prendre un petit peu moins loin. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde, la reine Médica. J'avais promis. Ah, c'est pour mettre dans le panier alors. Oui. J'avais promis répondre dans 4 résidences. Je pense que je vais répondre dans 6. Pour bien faire. Mais dans 6, il faut que je mette le niveau haut. Le niveau haut. Noirâtre, dont tu étais en mission. Ambassadore. Donc, c'était des grosses lèvres avec des gros yeux qui t'envoyaient. Maman. Papa Paul lui a bloqué ma vidéo jusqu'à aujourd'hui. Papa Paul lui a dit que j'avais dit trop de bêtises. Vanessa, bonjour. Papa Paul lui a été fâché. Merde. Regardez, j'espère fermer ma vidéo. Pam, pam. Quand on a parlé, je n'ai pas trop la vidéo là. Non, 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 non. Ah, presque. Oui. La direction est bonne. On peut regarder là-haut? Ah. Apollia a dit que Apollonie, on en voit. En plus, j'ai porté le billet, la tenue billet, pour parler à mon père. Partager. Non, je dois me calmer ce jour-ci. Sinon, papa. Papa va se fâcher. Vrai, vrai. Papa et mon frère Franck n'ont pas aimé ce que j'ai dit. Ah. Attends. Ah, un petit. Jeanne Zobo, tu rigoles. Mon père était fâché. Ils ont dit merde. Ah. Presque. Serge Hervé, je suis en train de manger les Mujamoto. Encore un petit peu. Peut-être un peu de une petite force un peu. Encore une petite pression. Une petite pression. Il faut encourager papa. Vous jugez. Merde. Ma foi, fait le direct. À peine je termine mon direct, on me dit sera bien. Ah oui. Bravo. Tu l'as eu. T'es parfait. Non. Oui. Il n'y a rien de look. Pap. Oui. Faut bien respirer. Oui, bien respirer d'abord. Ah, d'accord. Merde. Serge. J'ai bavardé, bavardé, bavardé. Elle m'a fait de ma zoute. J'ai terminé mon direct. Blam! On bloque. Mon direct était bloqué. Je te jure. Dans le self? Ouais. C'est bien. Oui.
Donc, j'avais promis à Noara. J'avais promis à Noara que je veux la répondre dans 4 endroits. Pas dans... Ah! Ce soir, je vous invite à un direct, les pieds dans l'eau. On appelle ça les pieds dans l'eau. Donc, c'est à Tebonkou qui était derrière toi. Je vais te clasher ce soir dans la deuxième résidence. Je veux te clasher ce soir. Envoyez la nouvelle. Kournembe à Noiracre. Je veux te faire ça dur aujourd'hui. Noiracre. Noiracre. Donc, c'est maintenant toi, la Marguerite et Kang. Ils ont fait ça avec moi. Mais moi, je les ai envoyés balader. Après, ils ont été chercher Claire Mongo pour venir m'insulter. Je lui ai mis ce qu'on appelle un gangoumbekura. Elle a disparu de Facebook. Donc maintenant, c'est toi le nouveau jouet et quand qu'on envoie attaquer les gens. Ah! Dans le cercle. Oui, c'est magnifique. Oui, dans le sel. Et le jaune, il faut se mettre là pour faire le jaune. Ah, d'accord. Je dis, Mayoya Lingoye, zéro paix, comme dit ma soeur. Ah, dans le rouge? Attends. Quand on regarde son homme jouer au golf, on met les lunettes. Voilà. Alerte à Malabou. Alerte à Malaga. Au parler de Jérémy. Mario Yalingoy. Ouais, dans le cercle, oui. Oui. C'est magnifique. Moi, je vais passer la TV. Hein. Ah, tu es déjà champion. Tu vas passer à la télévision camerounaise. Attention, il y a un très beau terrain de golf au Cameroun, hein, meilleur du monde. Ah, si au Mont-Febé, c'est meilleur. Hein. Le championnat au Mont-Febé. Ah, juste à côté. Pas facile de calibrer juste. Jeanne Zobo. Non, quand je parle quand c'est le groupe Ekan là. C'est nous avons créé l'histoire du groupe Ekan. J'étais devant. Avec les Nassim Barra, les Atebonkou. Les Laurent Bayené, il y avait aussi. Nous étions nombreux au début. On a même fait l'élection à Misekan. J'étais candidate. J'étais candidate à l'élection à Misekan. Je ne parle pas de tous. Quand je parle du groupe où les vieux. Les vieux. Aïe, à côté. Peut-être reculer d'un pas. Ah d'accord. Ah d'accord. Jeanne Zobo, je sais que je parle pas de tous les écans. Hein. Je te parle du groupe écan. Oh, formidable. Tu es vraiment champion. Je suis débutant. Je suis un débutant. Hein. Oui, non, c'est bien. C'est magnifique, tu as réussi. Dans le panier. Comme, tu vois, si j'avais recommencé comme ce petit, tu serais déjà devant. Ouais. Ils n'ont que 5-6 ans. Hein. Ils jouent déjà au golf.
Nous avons fait le groupe Ekan. J'ai été Miss Ekan. Ma fille Marie Wouti a été Miss Ekan. Ma fille Wouti Laura a été Miss Ekan. C'est là que je me suis rebellée. Ils ont dit que mes enfants ne peuvent pas être les Miss Ekan parce qu'ils sont métisses. Atebongou a fait la sorcellerie à Nassim Barga. Nassim Barga pleurait. Coucou Lolo, ça va? Je suis venu clasher la Noiracre, la deuxième résidence à Malaya. Madame Malaga, les pieds dans l'eau, ce soir je crache, les pieds dans l'eau. Donc, elle est la nouvelle marionnette. Je l'ai vue hier dans un direct. J'ai compris. Ma chérie, je ne vais pas te clasher dans 4, je vais te clasher dans 6. Je vais augmenter le niveau. Ma hyper niveau, on n'est pas tous dans la même école. Tu appuies le bouton, quand il sort, le pied dans l'eau. Mario, la chaîne, vous voyez les pieds dans l'eau. Donc je la mets au drapeau jaune, tu vois? Oui. Maintenant, c'est le jaune que tu vas viser. Il y a un malheur, papa, elle est bien mis en tangan. Papa, elle est bien mis en tangan. Pas à côté. Oui. Noiracre. Noiracre. On a été dans les histoires de Kangla avant toi. Ah oui, formidable. Oui. Il est attelé tout de suite, hein? Oui, je suis doué, hein? Oui. Je pense que c'est le plus dur, c'est le panier vert. Rien qui est dur pour moi. Rien n'est dur pour toi. Rien n'est dur pour toi. Je m'encourage, tu vois. Oui. Non, c'est, tu donnes le meilleur coup. Attends. Charlène. Voilà. En panier. Oh! Charlène, tu n'as pas vu que j'étais chez Nabil. Tu n'as pas vu que j'étais dans l'ONU. Attends. Oh! À moins un. Charlène. Non. Charlène, j'étais dans l'ONU. Tu n'as pas appris que je suis devenu reine médica. Oh, à côté. Peut-être avancer d'un pas. Oui. Je n'ai jamais été pour... John. Moi, je n'ai jamais été pour le boycott, hein. À côté. Je n'ai jamais été pour le boycott. Chacun fait son combat comme il veut. Je suis responsable de mes actes. Ah non. Oui. Moi, je vais envoyer des balles un peu plus loin. C'est pas le plus pour aller loin. Oui. Je n'ai jamais été pour le boycott. Je parle avec tout le monde. Tu n'as rien compris, Charlène. On... Tu vas si loin comme ça? Non, je sais. Ah, d'accord. C'était 40? Je ne suis pas la qualité là, Marlène. J'ai été au palais de Nabil. J'ai écouté la musique qui... à côté. J'ai été écouter la musique Bamoun qui disgrace. J'ai été dans l'ONU.
quoi. Tu vas changer de... Ouais, je vais changer un petit peu de club. Oui. Mais ne capable. Moi-même, je n'avais pas bagarre avec moi la panthère devant l'ambassade. Maintenant, je vais l'envoyer devant le drapeau rouge. À 100 mètres? Non, un peu avant, on a le drapeau rouge. Ah, d'accord. À oui, ça peut être 75. Mmh. 60? Oui, 60, je pense 60 mètres. 60, 70. Oui. Ouais, faire les directs et s'occuper de son mec, c'est compliqué. Ah non. Oui. C'est un des looks. Soixante? Septante? L'année passée, t'as pas vu? Ah, là, maintenant, elle est sur le rouge? Un peu plus loin que le drapeau rouge. Je l'ai raté parce que j'ai rangé. Oui. Tu es dans le camp avec les bambous et la basse en même temps. Tu n'as rien compris. Je suis Tikar. Nous sommes de la même descendance, de la même famille. Tu n'as rien compris, Charlène. Vous aimez toujours des petites histoires. C'est bon? Attends, j'arrête de parler. Là, c'est parfait. Hein? Là, c'est presque. Hein? Nous sommes les Tikars. Tu me dis que je suis en même temps Bamoun, je suis en même temps Tikar. On n'a pas dit que ce sont les mêmes personnes. Comme vous aimez que le Cameroun se divise, vous aimez quand il y a les bagarres, vous aimez quand il y a les disputes, ça vous arrange. Vous n'aimez pas la paix. Tu n'as pas vu Wana Polony? Malgré que Sa Majesté de Makba avait bagarré avec Nabil, j'étais chez Nabil. Vous croyez que c'est en face de vous et tout? Vous n'aimez pas la paix? Je suis partout. Bien. Non. Tu as tourné, la main a bougé. Mais vous ne comprenez pas le français. Il y a autre chose ici. Hein? Quelqu'un vous dit qu'elle est la République, vous ne comprenez pas. Quelqu'un vous dit qu'elle est le vivre ensemble, vous ne comprenez pas. Mais mon père, je parle avec les séparatistes. Je parle avec le RDPC. Je parle avec le RDPC. Je parle avec le chef de la base. Il me respecte. Il m'appelle Mafo. C'est bon? Hmm? Ou est-ce que vous dites un fourreau? Tu vas venir malaxer quoi? Il n'y a rien à malaxer chez moi. Juste à côté.
Tu donnais un thème. Nila, Loka. Meyer, Malaga. Tu donnais un thème. Mets-moi les cœurs. Tu mets les cœurs. Tu mets les yom. Tu donnais un thème. Tu mets. Juste à côté. Peut-être avancer la balle. Encore, oui, peut-être là. J'ai donné un tep, tu mets. Il est là. Mais il y a rien. Hein? Mais il y a rien. Hein? Tu mets, yom. Non, 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 je suis à Malaga. J'ai mangé du bon poisson. J'ai bu de l'eau pétillante. J'ai mangé une belle salade mix. J'ai bien voyagé. J'ai bien atterri. La ville est... Maman, pardon, venez visiter. Ah, c'est une très belle ville. Il fait pas très chaud. Ça va la température. C'est magnifique. C'est le Miami de l'Europe. C'est magnifique. Hop. Moi, j'ai bavardé seulement. Je ne fais pas le sport. Je me dis, mais je me tâme ça. Je me dis, mais je me tâme ça. Oh, magnifique. Dans la sauce. Comme on dit au Cameroun, c'est dans la sauce. Au Cameroun, on dit c'est dans la sauce. Hein? Tu l'as mis dans la sauce. Ah! Il a mal bondi. Le pou. Il fait des autres terrains de golf. Je manque que je suis là. Dieu donné, c'est comment? J'entends les cœurs, tu ne veux pas. Ah? Il va ancrer? Non. Dieu donné un tep. Je clash noirâtre ce soir. Oh, dans le jaune? Magnifique. Maï clashé. Les pieds dans l'eau. Alerte. Alerte ensemble. Attends. Non. Pas facile, hein? Faut bien tourner son pied. D'ailleurs, je vais toucher l'autre jaune. Oui. Je vais essayer de viser le 50. Oh, j'ai trop de sel dans les yeux. Charlène. Je ne vais pas tâcher maintenant, Charlène. J'envoie alerte, alerte. Alerte, alerte. Je suis à Malaga. Je donne rendez-vous à 20h. C'est là que tu vas voir comment il va tirer des balles réelles sur Noiracre. Comme tu es là, Charlène, pardon, envoie le message. Qu'on est messager. Je te mets le titre de messager. Envoie le message. Que Wana Polonie. Nguan Vorada, à haut rendez-vous les pieds dans l'eau. Tu changes? Tu veux le mouchoir? Oui. J'ai les yeux qui vivent. Ouais. J'ai du sel dans les yeux. Transpire. C'est beaucoup d'efforts, hein? Oui. Tu ris, Charlène. Tu as maintenant le nom de. Quand il fait mon direct, je cherche le messager. Tu crois le journal messager au Cameroun? Non. Journal le Congo ça. Quand tu voulais lire le Congo ça, tu partais au messager. Non. Tu es donc devenu le messager. Messager, Wama. Tu es un banda.
ou nos messagers ou mon Jean 100 doses en Europe. Et le Cameroun, même pas. Je parle au Cameroun, je noircis. Mais dès que je viens seulement ici, la couleur revient. Charlène, oui, oui. Watan bagam bande minal. Là, waouh. Tu vas encore? Oui, ça va pas du tout. C'était une belle balle, hein? Oui. Ah, oui? Elle doit être dans les 70, 75. Je vais t'en envoyer une à 100. À 100 maintenant? Mais pas avec ce club-ci. Ah. Pardon, non. Tu dis que je n'ai pas dit que je clash maintenant. Si je clash maintenant, c'est pas là, c'est pas bon. Tu vas vendre que le journal. Elle va arriver très juste. Si moi je tape, je vais taper à 150. Il faut vendre le journal, le papier, en WAP. Il faut vendre le journal. Je vous jure, la vue est très belle. Ami, j'ai dit bonjour. Attendez d'abord. Mon messager, Charlène, un messager. Oh, elle a frappé le panier. Je dis, alerte, alerte. Sur quel retour, j'ai seulement atterri aujourd'hui à Malaga, non? Je mange les Munjamoto espagnols. Je bois le vin espagnol. Mais il y a un Wanga espagnol. Ah, je vous jure, c'est beau, Malaga. Oh, mon Dieu. Merde. Je vous donne le... Ah, non. Venez ici. Ah, c'est loin, ça. Dans les quatre vents. C'est tout près du sang. Oui, regarde les quatre vents. Regarde bien. Oui. Vois un peu plus loin que le sang. Que je vienne au USA en vacances. Oui, je vais venir en vacances. Attends, non. Elle a tourné? On dirait qu'elle a pivoté la balle. Mamie, je dis, invite-moi, je viens, non. Mais pour le moment, d'abord, je suis ici. Je suis ici, au Bourgangouane. Aïe, les cheveux de ça. Elle me met des choses de 40 euros, venez me parler. Elise Battante. Elle porte des cheveux de 40 euros. Oui? Attends. Ah. 50. 75. Comment elle va servir 25 euros? Je sais, tu avais déjà aimé m'inviter. Je sais qu'on a parlé inbox. Je sais. Mais j'ai trop de trucs à faire. Je vais venir au USA. Je peux venir en fin d'année. Maintenant là, c'est fuel. Papa. J'ai le walk. Maintenant là, j'ai le walk. Je vais venir. Tu m'invites, je viens. Waouh. Tu es dans les sangs. Ouais. Celle-là, c'est dans les sangs. Oui. Non, je dis. J'avais promis. Oui. J'avais. Ma carna. Messager. Mon messager est là. Messager, on m'a abaloué Charlène. À Kimbanda. Charlène, va déposer le colis. Hein, le recommander. Pour ce soir.
va déposer des recommandés pour ce soir. Des pieds dans l'eau. Il est quelle heure? Trouvez-moi l'heure là. Ça veut dire qu'ici là, à Malaga, c'est la belle vie. Je vois pas le temps passer. C'est magnifique, hein? Le gant, ton gant a eu un problème? Hein? Le gant. C'est les yeux. Ah. C'est les gants que j'ai reçus avec les clubs. Ah, d'accord. Bonjour Fanta Yvonne. Il y a notre messager Marlène qui est prié d'aller déposer le colis. Non. On va recommencer. Alerte, alerte. Le messager Marlène est prié de déposer le recommandé à notre noirâtre à l'adresse suivante à Paris, Facebook. Voilà. Zamayo Bona. Donc, depuis tout ce temps, je cherchais qui même lui donnait la force derrière. Charlène. Alerte, alerte. Le messager Charlène Michigan est prié de prendre le recommandé. Et de... Ah, c'est dedans. Dans le blanc. Et de déposer chez la noirâtre pour ce soir. La noirâtre est invitée à venir voir la reine Metika des pieds dans l'eau. J'ai t'avais dit que je vais te clasher dans quatre. Je ne compte pas Bruxelles. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je vais m'aller jusqu'à six. Parce que si je m'arrête à quatre, on va dire que c'était trop facile. Il faut six ronds. Six. Je ne fais pas le KO. Zéro KO. Non, non, non. C'est trop facile. Un coup de poing, j'ai au sol. Non, non, non. Lève-toi. Il y en a deuxième round ce soir. Donc, depuis qu'elle parlait là, c'était bon coup qui t'envoyait. Ah, t'es bon coup. Donc, depuis... Ben... tu es Yanda. Comment vous menez Yanda? Après la barrière, c'est de Yanda, non? Baba Mie Gérard. Dans ma carrière, on est messager, wama. C'est que les Yanda, c'est les plus grands sorciers, non? Quoi, comme les mots, oui. Dans ma carrière, on est un Yanda. Oui, on est un Zamaya Lorna Yanda. A Mie Gérard, on est un feu. Donc, tu es devenu mon maître. On n'a pas compris le problème. Tu n'as pas compris le code. Tu es devenu mon messager. Au que car noirâtre. Na, on va de aluminium banda avec Mwan Yanda. Que ce soit Azuri Karmam, les pieds dans l'eau. C'est pas acrébien. Une idiote. Tu peux parler à une fille Mwanda. Quand Amie Gérard vivait, merde, quand ils disent aux gens que la nuit je suis prête, le jour je suis prête, une fille qui a le sang et toi, je ne suis pas une fille, une femme, une maman, j'ai le sang, vous ratez mon gars, j'ai le sang, vous ratez, j'ai le sang, Yanda, j'ai le sang des plus grands sorciers encore, vous romanzez. Je le sens éteint. Ma chérie. Oui, Kavi. Elle va commencer où? Une femme comme moi, qu'on a lavé en fond, habillée. Aïe, son melon. En fond d'assis. Eh, maman, j'ai tout. Moi, je ne pars pas à l'étranger. En Wallet, on m'a tout donné. En fond d'assis. Aïe, maman, moro. Habillez-moi. Tu ris, Marlène. Les filles d'envoi les voient, une dangereuse. Elle vient s'amuser en fondé. On ne lui a pas dit qu'en fondé a été créé par les Chinois. Tu vas te noyer. Maïo douce, oui. Ma tam douille. Ma tam douille. Douille. Manga.
Attends, je me disais que je vais donner une voix sur le camion. Je me disais. Je te faire ça ce soir. Dans le panier? Ah non. À peu près, oui. Je l'ai fait monter très haut. T'as vu, je l'ai fait arrêter. T'as remarqué, j'ai fait un... Oui, ça c'est quel numéro? Ça c'est le plus court. Ah. C'est-à-dire ici, ce que oui. Je faisais, c'était envoyer là-bas. Et même parfois, elle revient. Elle tournait, oui. Elle pivotait, oui. De retour. Oui. Je mets de l'effet. Et laquelle met dans le panier? C'est pas l'Audis? Ça dépend, je peux faire ceci aussi. Dans le panier. Ah. Longue tangan, maintenant mangalé golf. Maï miat, miara, miara. Qui chante souvent ça? Miara, miara. Hey, dans le panier? Ah non, dépassé un peu. Ah, créote. Elle voit une femme comme moi. Avec les joues dans la boum. Nye min gane me ateme bi joubi saman. Azu voye me. Je vais te compter le nombre de bijoux qui sont dans mon ventre. D'abord les vous de Vorada, les vous de Voratemanga, les vous de Yanda, les vous de Voramanze, les vous des Etenga et les vous des Eton. Moi, le Voronoir, à moi, voici. Je suis Voratemanga d'un Sam Kradex à Prescal. Quand même, je bagarrais souvent au bout je fais pour aller à l'école des foulanes. Sans pour moi. Oui. Mais hier, on a volé. En mille endroits. Mais. Tu peux. Dans les 40. Tu veux prendre de l'eau dans la voiture? Non, non. Je respire. Une petite pause. Les petits, les enfants sont partis. Ouais. C'est magnifique de voir les gamins commencer si tôt. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique ça. Ils jouent mieux que les adultes. Parce qu'ils réfléchissent pas, ils font. Oui. Tu vas jouer combien de sauts? Enfin, j'en fais 6, 7, 8. Ah! C'est du cardio alors? C'est du cardio? Ouais, cool. Marlène, tu dis que tu es d'où? Voratemanga a un Sam Boboko. A Boboko, ce ne sont pas les Voratemanga. A Boboko, ce sont les Vorzoué. A Boboko, ce sont les Vorzoué. Si elle est de Boboko, elle est Vorzoué. Elle s'appelle comment? Chanfaït. Ou bien c'est vers Colombia. Elle est à Boboko, quel niveau? Moi je suis en Sam. Tu vois quand tu carrefour en Sam pour aller sur l'axe lourd. Tu devrais prendre le club pour aller loin, tiens, pour voir un petit peu. Avec les... Tu vas à la voiture? Non, je vais. Le pauvre bête, allez. Je voulais d'abord vous demander pardon, j'avais jamais voulu faire ça. On a vécu ensemble, des temps où vous voulez. Changer la vie, non. Donc, ma foi, va aller. Pardon, ma foi, va pas dans l'eau. Tu sais nager, ma foi. Est-ce qu'il y a la mer ensemble? Pardon, papa dans l'eau. Va y mettre Zouak. Je me suis attaqué des choses comme ça. Ma foi, pardon. Liga killing. Ma foi, ne sait pas nager. Je vais mettre les pieds dans l'eau.
Non, je vous dis franchement, je vous dis, Malaga est, ça coûte cher pour acheter, mais venez passer les vacances, c'est si beau, c'est beau. Parce que parfois, vous voyez les gens sur Facebook, vous pensez que les gens n'ont rien à faire de leur journée. Vous pensez que les gens sont dans la même dimension. Elles pensent que le monde est dans la même dimension. Elles pensent que le monde a les mêmes loisirs. Elles pensent que je suis dans la haine. Noiracle, j'ai tout ce qu'il me faut pour être une femme heureuse. J'ai un homme à Bruxelles. J'ai ce qu'il me faut. J'ai ce qu'il me faut. Tu vois, quand je veux faire mes trucs en cachette, tu ne sais même pas comment Apollonie profite de la vie. Je ne suis pas celle qui profite de la vie dans un ganda. Noiracre, quand je veux me changer des idées, quand je veux me changer des idées, un ticket d'avion, je mets les clés dans une porte à Malaga. L'appartement est dans l'eau, au pied de l'eau. Je m'assieds sur le fauteuil et je vois les bateaux passer. C'est pas donné à tout le monde. Je ne me vante pas. Quand tu es dans un monde où, quand la fumée du poulet te dérange dans les yeux, au lieu d'essuyer tes yeux, tu commences à te plaindre que nous sommes la cause des problèmes. Tu sais, quand je dis je porte une perruque, ça là, je vous donne l'adresse où on vend ça. On vend ça à Anvers. Tapez sur Facebook Angelo Hair Antwerpen. On vend les cheveux. Il vend des cheveux en. Oui? Je suis super belle. Je débarque comme les bonnettes. Pourquoi t'as pas, tu ne vas pas comme avec les grosses boules là? Attends, c'est après. Après hein? Maintenant, ce que je m'entraîne, c'est l'envoyer très 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 haut. T'as pas vu? J'ai vu. Il est arrivé à peut-être à 100 ou 120 ou 110. Non, non, je parle de la hauteur. Il y a oui. Deux choses importantes, la hauteur et la longueur. Ah. Tu dois apprendre à savoir. Non, la... C'est pour faire le bon mouvement. Quoi. Si tu parviens à l'envoyer très haut, c'est que je fais, là. Je fais un très bon mouvement. Je ne sais pas en quoi utiliser plus le bassin. Je ne sais pas en quoi. Ah oui, tu accompagnes. Ça, je ne sais pas comment faire. Tu danses ou quoi? Oui, c'est le swing. Donc, ma chérie, toi et moi, on n'a pas les mêmes distractions. Toi, tu te discrètes avec l'ambinda dans les camions. Tu te discrètes avec l'alcool. Tu te discrètes avec la haine. Tu te discrètes avec la méchanceté. Quand tu vois une fille sur Facebook en train de vendre ses produits, ses mèches, tu as même voulu copier, tu as été incapable. Tu as vu ceux avec qui tu fréquentes faire des business. Tu as préféré faire le choix du Congo-Sa. De la haine. Tu as été incapable de monter une entreprise qui fume le poulet. Tu devais être la plus grande fournisseuse de poulet de la diaspora. Ma chérie, moi, je n'ai pas besoin de fumer. Je n'ai pas besoin de la haine. Ah, elle est montée, hein? Mmh. Oui. Tu vis de la haine, de la méchanceté et tu es écrit. Ouais. Elle est montée aussi. Elle fait du bruit. Oui. Tu vois, on n'est pas dans le même concept.
On n'est pas dans la même dimension. Quand tu vois Ngona Polonie sur Facebook avec ses cheveux naturels, regarde ça. Tu sais combien ça vaut ça chez Angelo Hair? Je te demande, s'il te plaît, de taper Angelo Hair en Turpin, en verse, ça veut dire. On vend les mèches là-bas en kilo. C'est le portefeuille qui parle. Tu viens souvent te mettre sur Facebook avec le soi-disant que tu es une femme belle. Ma chérie, moi je suis dans une autre dimension. On n'a pas les mêmes jeux. Tu as les jeux des pauvres. Tu as les jeux des pauvres. Pauvre d'esprit. Pas pauvre en argent, hein. Pauvre d'esprit. Je vais rectifier le mot. Quand je dis pauvre, c'est pas pauvre en finance. Je te parle en pauvre d'esprit. Donc, repars t'asseoir et regarde-moi. Regarde-moi. Pour comprendre, lis-moi. Puis c'est la Kalibinga. Tu vois, Apollonie Ngono, personne ne connaissait ma vie. Vous poussez les gens à Facebook à faire des conneries, vous les clashez, vous les insultez. Tu penses vraiment que moi, Ngono Apollonie, je peux venir m'asseoir pour faire la haine? Quand je m'assois, c'est l'amour. Et quand je profite, ce sont les belles choses de la vie. Oui, attends, je me mets là pour mieux voir. Tu vois, ce soir, je vais parler beaucoup. Ce soir, je dirai des choses. Charlène est venue, là. Hein? Charlène, c'est... Mou, j'ai pas l'engap. L'argent ne fait pas le bonheur, ma chérie. À côté, hein. Je n'ai pas l'engap. Mais je suis l'engap. Tu comprends ça, non? Ça fait. À tes bons coups, le connaît, non? Tes bons coups, l'a même insulté. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. 15 ans. Un témoin qu'on connaît cette personne. Même commissaire, je reconnais. Ils m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Ils l'ont insulté, ce monsieur. 15 ans de vie. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne parle même pas de lui, je parle de moi-même. Je parle de ce que mon homme m'a laissé en tant que veuve. Ne parle pas de lui, s'il vous plaît. La richesse, ce n'est pas l'argent. Avec qui tu parles tout ça? Je parle avec une sœur sur Facebook. Une sœur? Oui, Marlène. Alors qu'est-ce qu'elle veut la sœur? Elle me dit oui, tu es alors une grande. Montre-nous alors le réseau. Je dis il n'y a pas de réseau. Ce n'est pour faire la vie à Malaga. Elle fait l'amour là, la sœur. Elle fait l'amour. Pas une sœur en Christ, hein? Toi, tu es grave. Donc, Amanda, est-ce que tu fais l'amour? Sœur en Christ, c'est pas la sœur en Christ, hein? C'est pas la sœur religieuse, la sœur du village. Donc, tu vois, c'est ça qui a fait en sorte que je ne parle plus à les étapes où tous ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont venus auprès de moi pensant que ce qu'ils ont vu, il y a l'intérêt. Sur un tombeau, vous jaloux. Au quoi bizarre. À Charlène, messager. Ouais.
on va trouver à Charlène le médecin, ton ami médecin là. Hein? Ou non, on va trouver Ahmed. Wow. 5, 60. Là, c'est 60. Ah, Charlène, Bakani, Ouattaboua. On va trouver Charlène, le médecin, là, comme ça. Ils vont vendre les médicaments ensemble. 60 aussi, ou 5? Oui. C'est wow, wow. Il y a les voisins, ils voient, maman, Satan. Ouf, Satan, hein? Il y a le Satan. Wafu zamba waha satan wafu zamba waha satan biya fa malak sang min tangan an waya tar bo satan ma satan wafu zamba maha satan wafu zamba maha satan donc amana je vais te dire une chose, la grandeur c'est toi même ya moroyen ma man mani ya moroyen ma. Moi-même, je suis une valeur inestimable. Bonjour, Fadi Jamal. S'il te plaît, je ne veux pas que tu sois dans la boue. S'il te plaît. Les gens disent que je suis dans les... Je suis serpent à deux têtes. Je suis Bamiliki, je suis Bamoun. Et je leur ai dit, bien sûr que je suis serpent à deux têtes. Je suis de vivre ensemble. Je suis partout. Et je suis contre le boycott. Mais je parle avec tout le monde. Je parle avec la base, je parle avec les séparatistes, je parle avec le gouvernement, je parle avec tout le monde. Je parle avec Pakamto. J'ai vu ton poste, s'il te plaît, ma belle. Tu n'es pas comme ça. La boue, c'est pour nous. En ce moment, si je profite, je suis à Malaga. Et ce soir, je veux clasher la noirâtre des pieds dans l'eau. Ton beau jour, Wolf. Abobi voué. Messager. Vous voyez une à Balangula. Il y a un bimé, il y a un rizia. C'est arrivé. Fadil, laisse parler les gens. J'ai été dans le Noun. Chez le chef qui a eu des petits soucis avec Nabil. Ça m'a empêché d'aller où? J'étais chez Nabil, non. J'ai écouté la musique qui détend, non. J'ai acheté mon dope, non. Ah mon Dieu, Apollonie Nkuna est champion de vivre ensemble. Si je savais que Nabil était à Bruxelles, j'allais partir danser la danse Bamoun là-bas, le feu sortait. 60, 70? Ouais. Si je savais que Nabil descendait à Bruxelles à la gare de... Oh, elle est bien montée, hein? Si je savais que le roi Nabil descendait à Bruxelles... Merde. Patrick, ton type joue au golf. Je suis à Malaga. J'ai mangé le poisson. Ah, mon Dieu, du bon poisson comme au Cameroun. Des petits poissons, tout petits, c'était comme ça là, mais un peu plus grand que les Munjamoto. Des anchois. Voilà, c'est des anchois sautés dans l'huile d'olive avec des patates et de l'eau pétillante. C'était avec la salade. Oh mon Dieu. Donc, j'ai été dans le Noun, j'ai été chez Nabil. Et quand je repars là, je vais manger à table avec le roi Nabil. Je suis de vivre ensemble. Donc, voilà Polonie. Ce soir, c'est le clash maillot de bain et pieds dans l'eau. Deux pièces. On va montrer le ventre des ngwan. On va montrer les rondeurs des mamans. Minalmi. Minalmi. Rendez-vous à 20h. Oui. Patrick, c'est comment? J'attends la commande de la voiture. Hein. Passer les commandes de voiture chez Mafo. Comme Patrick Bonjour a fait. La Audi coupée. Il l'a acheté chez moi. Merci, Patrick. On attend maintenant qu'on mette dans le conteneur. Que ça décolle. Yeah.
Je t'ai... Bon, jazz. Quand on m'a dit d'aller à l'école, d'apprendre l'espagnol, je fuyais l'école. Maintenant, me voici ici. Charlène, en fait, écoute, quand j'ai vu cette fille faire le litchi pour la Tebankou, j'ai compris. C'est des gens qui ont vu, tu sais, regardez mes vidéos depuis. Je n'ai plus jamais fait des directs à la maison de ce monsieur. Quand les gens me voyaient au début dans la villa, les gens sont venus vers moi pour l'intérêt financier. J'ai connu certains qui m'ont dit, Apollonie, viens, on va faire l'association des femmes battues. Voilà comment j'ai connu Laurent Béhéné. Et franchement, j'avais de l'argent que je voulais investir pour les femmes battues. En fait, c'est parce que je montrais, il ne faut pas manquer ce que vous avez, mes frères et sœurs. Je me vantais de la villa, je montrais comment je vis. Et je me suis entouré de gens qui avaient des arrière-pensées. Je me suis entouré même d'une femme qui voulait m'escroquer, qui m'a dit que je devais investir au Cameroun dans une maison que Aïdjou avait laissée. Depuis ce jour, j'ai décidé que je fais des directs que dans ma propre maison. Je ne savais pas que cette personne voulait profiter de moi, en dehors de Nassim Barga. Nassim Barga m'a proposé de venir me faire un reportage chez moi, à la villa, j'ai dit non. Je ne voulais pas... J'ai compris ça après. Que ces gens étaient auprès de moi pour m'abuser. Mais je sais que si je veux mettre deux boutons, je porte. Je veux mettre un sac Dior, je porte. Un sac Chanel, je porte. Mais, quand tu vois celui-même qui te donne tout ça, avoir une vie simple... Ici, à Malaga, nous sommes propriétaires de 3 appartements au bord de l'eau. C'est pas que acheté depuis longtemps. Je ne me vantais pas. Si je suis sur Facebook, c'est par amour. J'aurais pu seulement rester à faire Non. J'aime le Cameroun. J'aime le vivre ensemble. C'est pour ça que je perds mon temps à Facebook. Je n'ai pas... dit que je suis riche, mais je vis bien. Je ne dors pas affamé. Je peux m'offrir un verre de vin. Je peux m'offrir un verre d'eau. Vraiment, c'est ça ma fierté. Sans mendier. Même si je veux venir dormir ici un an, je vais vous montrer. J'ouvre la porte Wars. Le 3 ans de meilleurement. Mais tout ça, on ne les prend pas dans la terre. J'ai compris que ce que je veux prendre, c'est l'amour que vous allez m'apporter. Si vous apprenez maintenant que Wana Polony est tombé, les gens vont peut-être m'insulter, les gens vont peut-être me critiquer, mais la plupart des gens, je partirai avec des belles échanges que j'ai avec vous. La dame qui m'invite aux États-Unis, elle me connaît où? Hein? Il y a les... C'est pas que je ne me vante pas. Non. Je dis, même en Belgique, à Knok, l'appartement au bord de la mer, tout le monde n'a pas l'appartement là-bas. Donc quand je vois une femme comme Noiracre, finalement, me dit qu'elle me clash propre. À Noiracre, il y arrive-vous. On n'a pas les mêmes jeux. Je joue avec l'écran. J'ai une vie de couple. Je ne suis pas dans la même dimension de haine comme elle. Elle se lève le matin. Elle est jalouse des femmes qu'elle a vues. Non. Il y a des gens qui ont décidé de cacher leur vie. Depuis ce jour, j'ai caché ma vie. J'ai dit, ah, je n'ai plus jamais voulu montrer. J'ai donc décidé que la perruque de côté,
les belles choses de côté. Comme ça, c'est bon. C'est bon? Petite pause. Tu veux que j'apprenne de là la voiture? Non, c'est moi. Fais pas chaud. Oui, Janine. Ah oui, au bord de la mer, au centre. L'appartement regarde dans l'ombre. Vous allez voir les noms, le soir. Allez voir avec les yeux. Je n'ai jamais voulu faire ça. Mais il faut que la Noira comprenne qu'on n'est pas... Je ne vais pas l'insulter, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'insulter. Mais il faut qu'elle comprenne qu'on n'est pas dans la même cour. Que ce que je fais. Ça, je dis au gouvernement camerounais que je n'attends rien du gouvernement camerounais. Mais elle me dit, est-ce qu'un gouvernement camerounais peut acheter un appartement ici à Malaga à 500 000 euros? Ils peuvent? Non. Je fais le vivre ensemble par amour, sans intérêt. Je me faufile dans la foule. Non, je ne suis pas à Knokla maintenant, je suis à Malaga, en Espagne. Mais en Espagne. Donc, elle pense que Guanapurumi, quand je fais des directs, je veux les vues. Quand je fais les directs, je veux que le remerciement ou bien je veux l'argent. Quel ministre peut me donner un appartement à Knok ou à Cahors, au sud de la France? Quel gouvernement camerounais peut me donner un appartement à Malaga? Non, nous ne sommes pas tous dans le même bateau des haines. J'ai choisi de faire de vivre ensemble. Ah tiens, regarde, il a mis un pied pour filmer quand il tire la balle. Hein? Il a mis un truc, il se filme quand il joue. Ah, oui, oui. Pour se corriger. On n'est pas tous pareils. À Polonie, je ne sais même pas quand partirait même d'ici. Bon, j'ai encore du travail, j'ai la porte de la terrasse qui m'emmerde, là, je dois la réparer. Elle ne fait même pas bien nettoyer les chambres. Waouh, c'est magnifique ça. Dans le panier, nettoyer les chambres. Donc, il y a cet appartement-là. Après ça, quand je quitte ici, je vais à Cahors parce que je n'ai... Ah! Sur le grappeau. Quand je pars d'ici, c'est au sud de la France parce que je n'ai pas été depuis un an. Je ne sais même plus quoi faire avec tout ça. J'ai mis mon homme que vendu. Ça me dépasse. Un peu court. Mais lui, je ne peux pas l'empêcher de profiter de ses biens. Ça fait 15 ans de vie que je vis dans ça. Pose la question à ton ami. Ça fait 15 ans de vie. Magnifique! Waouh! Oui. Oui. Ça fait 15 ans de vie que je vis dans ça. Ça me prend de la tête. Vous pensez que quand je pars au Cameroun, cela me... Non. À Polonie, je... Oh. Mais... Ah. Oui. À Polonie, quand je suis au Cameroun, je mets mes babouches au pied. Je me faufile en Vorumbi. Je prends ma moto. Les gens me disent même que c'est... Les gens m'insultent au Cameroun. Je suis en tourisme dans mon pays. Quand j'ai envie de faire la grande vie. Ah, ces balles sont finies. Au rouge, à 100? Au rouge, à 100. Ah oui. Ah d'accord, à 50? Après 50. Ah d'accord. Plus ou moins 380, 65. Non, Jeannette, je sais. Jeannette, je sais que tu es fan de moi. Je réponds. Tu sais, quand quelqu'un écrit, tu écris un commentaire que quelqu'un a fait et quand je le lis, je réponds à la personne. Peut-être que j'ai mal parlé, j'étais fatigué. Je devais prendre mon vol le matin et
j'avais le vol à 6 heures. J'étais debout à 4 heures, manger, me laver et tout, à l'aéroport. Donc, j'étais un peu fatigué. Non, 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 Jeannette, je sais, non. Tu sais que quand ma foi a aussi bu les choses, et ma foi a bu les choses. C'est la dernière. J'espère qu'elle ira dans le panier. Oui. Ah. Magnifique. Elle est un peu à côté, oui. Il faut s'habituer aux directions. Il est 17h50. 5h50. Je ne devrais plus manger. Hein? Je ne devrais plus manger, faire que du golf. Je pourrais perdre du poids, je crois. Oui, dès demain, c'est le régime. La natation aussi. Oui, je vais manger ce soir. Ouais. Peut-être les chaussures aussi. Mais c'est pas, oui, c'est pas les chaussures qu'il faut maintenant. Oui. Je sais pas a bien pivoté le genou et les hanches. Oui. Je ne sais pas encore utiliser le corps. Je pense qu'il faut faire comme ça. Il faut faire d'abord un peu de yoga pour te lâcher. Tu es déjà un champion. Pas besoin d'ajouter. Tu es déjà un champion. Ouais, ça n'a pas joué. Tu vois, il tape comme des cons. Regarde, regarde. Regarde, regarde, si on court en avant, regarde. Ouais. Oh, regarde, t'as vu? Oui. Fais que... t'as vu? Et moi, c'est régulier, hein, non? Oui. Et on dirait pas que je frappe la balle, hein? Non, c'est tout léger, mais ça va loin. Et ça montre aussi bien. Ah oui, c'est ça. Parce que je penche et je touche bien la balle. Je pense que tu dois faire les entraînements pendant une semaine sans t'arrêter, juste à apprendre à pivoter. Oui, c'est ça, il faut pivoter. Il faut que tu pivotes. Moi aussi, avant, je faisais comme ça, hein, au début. Je faisais mon mouvement comme ça, tu vois. Oui. Maintenant, je pivote, regarde, c'est tourné là. Tu peux aussi t'entraîner sur la huile. Hein. Et alors, il ne faut pas. Normalement, la tête ne peut pas bouger. La tête, elle doit rester stable, tu vois. Oui. Parce que sinon, tu ne touches pas bien la balle, quoi. Oui. Il faut même arriver à faire le swing sans regarder la balle, comme ça, tu vois. Ah! Il faut vraiment être en connexion avec ta balle. Hein. Mais ça veut dire que non, si tu dans ta tête. Es bien concentré et que tu ne bouges pas ta tête, le club doit arriver à descendre comme un pendule. Tu vois, il arrive toujours quand il part. Oui. Au fait, le swing de golf, c'était un pendule. C'est un mouvement comme une balançoire. Oui. Les gens ne comprennent pas quand je m'adresse au président Paul Biya. Vous savez, regardez un peu ce lieu. Ce lieu ici, on a tellement de forêts partout qu'on peut créer des choses comme ça au Cameroun. Quand tu vois le prix des appartements ici, à 500 000 euros pour 70 mètres carrés, franchement, on peut faire tout ça au Cameroun, dans le tourisme, hein. Mais un ministre vole l'économie qui peut faire un centre touristique pour que l'argent entre dans le pays. Les gens pensent quand je parle à Paul Biya parce que je ne l'aime pas. J'aime beaucoup le président Paul Biya, que je l'interpelle. Et Paul Biya le sait. Chaque année, les gens font le crédit aux États-Unis. 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards. Mais on te dit qu'on fait des routes. J'étais contente quand j'ai vu le ministre des travaux publics menacer un Chinois en balmaillot au journal. J'étais émue. C'est ce que nous voulons. Nous voulons des ministres sur le terrain qui vont vérifier les chantiers. Parce que parfois, un ministre signe. Pourquoi on interpelle les ministres? Parfois, le ministre n'est même pas au courant des marchés. Un ministre signe des accords, mais les petits sous-bureaux là, c'est eux qui dérangent. Donc, il faut aussi que les ministres aillent sur le terrain vérifier comment sont les états des marchés. Quand on dit ministre, c'est pas lui qui vole, mais c'est un vol de tout un staff.
jusqu'au plancton. Donc, tu ne peux pas te permettre que parce que tu es ministre, tu cales seulement là-bas en haut comme Paul Biya. Tu ne descends pas sur le terrain, tu ne vérifies pas les marchés que tu as signés. Hein? Il y a des ministres que quand ils découvrent les vérités, ils couvrent encore. Non. C'est pourquoi j'interpelle le président Paul Biya, qu'il interpelle les ministres et que les ministres interpellent leurs agents. Je resterai biaïste. Je respecte les autres, mais je resterai biaïste. Voilà, Jeannette. Je pleure. Ah. Mais ils jouent toujours aussi mal. Les conseillers ne sont pas les fournisseurs. Donc, vous voyez, regardez, je ne sais même pas faire mon direct parce que je dois aussi assumer mon rôle. Mais imaginez-vous comme dans la Polonie, j'abandonne ma vie pendant une heure de temps, je tire la porte dans une pièce et je vous parle. Je dois réfléchir. Mais si j'étais une égoïste, j'allais m'en foutre. Si j'étais une égoïste, j'allais dire, oh, bébé, Malaga, je suis à Malaga, Bingabour, hein? J'allais venir, oh, qu'est-ce qu'on fait? Direction, Knok, la vie, j'allais m'en foutre du Cameroun. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? J'allais venir ici, je m'habille, je descends, il fait la grande dame, je suis à la plage est à 50 mètres du bâtiment. Je mets le gras, je m'allonge. Les plus grandes boîtes de nuit de Malaga. C'est ce que je fréquente. Est-ce que elle a été dans une boîte de nuit puissante où on paye l'encre à 500 euros? Elle n'a jamais été là-bas. Mais moi, j'en profite parce qu'on me fait profiter. Elle est habituée au club de Didier, où on bagarre, où on boit les bières de Django. Je ne la clash pas. Mais je lui dis que, parce que je sais que les gens sont derrière elle, on l'envoie, comme on a fait avec moi. J'ai dénoncé quand on m'a poussé à attaquer les éponges. Les gens la poussent à attaquer les gens. Elle doit faire attention. On n'est pas dans la même dimension. Moi, je suis comme Fotso Victor. Je mange des prunes. Et je mange... Tu fais monter. On n'est pas dans la même dimension. Elle me fait même pitié. La manière qu'elle a voulu me parler, elle parle mal à une grande artiste comme les éponges. Mon Dieu, c'est vous, Bendia. Jeannette, ma soeur, si tu peux savoir comment j'ai les larmes aux yeux pour le Cameroun. Parfois, mon homme me dit, qu'est-ce que tu veux? Je ne te donne pas tout. Je dis, chérie, tu ne comprends pas. C'est l'amour de la patrie. Les gens me disent, tu veux même quoi? Tu as tout, pourquoi tu te mêles de ça du Cameroun? Si même on t'arrête au Cameroun, pourquoi tu prends autant de risques? Pourquoi tu fais ça? Tu as la chance que tu t'as donné un homme qui a tout. On te donne bien. Tu as des appartements en Espagne, tu as des appartements au Luxembourg. Tu as tout. En Guadeloupe, tu peux nous dire, vous êtes Paul Biya. J'ai dit, laissez-moi, c'est comme la sorcellerie. Je dis, je quitte Facebook, je quitte... Je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas TikTok. Ça ne me dépasse pas de faire des TikTok. Ça ne me dépasse pas. Mais je dis, je ne parlais plus du Cameroun. Mais dès que j'entends qu'une femme est morte, qu'on a tué un enfant, qu'on a kidnappé, dès que j'entends un problème, je remonte sur le micro. Parfois, je dis, je ne parle plus du tout du Cameroun. C'est terminé. Mais je vous jure que on va amener un sujet. Oh, tel est mort là-bas à cause de... Directement dans la Polonie, le cœur du Cameroun remonte au galop pour aller à la guerre. C'est comme ça.
Très belle. Oui, elle a failli toucher le filet. Vous comprenez? Donc, oui. Parfois, je ne me retiens pas. C'est le cœur. Ah, oui, elle a tourné. Donc, oh, elle a touché le filet. Oui. Je vous jure que parfois, même ma mère m'appelle, ma mère est en France, ma mère est à Nantes. Ma mère me dit, ah moi, il y a une bête du Cameroun, tu veux rien mourir. Je promets à ma mère que Cameroun, je profite de ma vie. Ce matin, ma mère m'a écrit, ah bon, profite de la vie. Profite. Mais dès que je veux seulement entendre qu'une femme est morte, ou bien un enfant au quartier est mort parce que la maman n'avait pas 10 000 et des soins, je reprends seulement. Je ne fais pas ça pour des vues. Si elle voulait mouser ma part, même payer avec l'argent, j'ai l'argent pour payer ma page Facebook. Mais je ne veux pas l'argent de Facebook. Je fais ça gratos. Ce n'est pas les petits 200 euros que je cherche. Ça me coûte. Ma page Facebook est écrite monétisation ou méta, machin. Moi, je bloque ça. Si je ne m'intéresse pas à ça. Elle est bien, hein? Elle a bien monté la balle. Et il y a plus de 50. Elle est bien haute. Bien haute à plus de 50. Tu as bien respiré là. Faut pas forcer, oui. Pas loin. Tu entends le bruit? Oui. T'as entendu le bruit? Non. C'est doux, quoi. Tu as brossé, quoi. Oui. Sans le savoir, quoi. Oui. Donc, vous savez, tu sais, je fais plus qu'une orphelinat. Une orphelinat au Cameroun déjà, même pour faire des papiers, c'est un problème. Et je suis combattue dans le gouvernement, ne croyez pas que tous m'aiment. Mais je fais des choses non-aime. Et je fais des choses qui peuvent même mettre ma vie dans les risques. Je prends les risques. Il m'arrive parfois quand je sors de la prison, je me dis qu'en sortant, j'aurai les menottes. Je prends les risques dans le Cameroun. Et je ne regrette pas. J'aide à mon niveau. J'ai une famille, vous voyez, j'ai quelqu'un, tous les minutes je dois être là. Je ne suis pas une femme célibataire. Sinon, c'est ma vie de couple. Ce que je fais, je viens beaucoup en aide aux personnes qui sont en prison. Je viens en aide à beaucoup de personnes qui ont besoin de parler dans le Cameroun. Je viens aussi en aide aux gens psychologiquement. J'évite de crêter argent avec les Camerounais. Parce que quand tu donnes 1 euro à quelqu'un, il revient pour demander 2-3 euros. Moi, je n'ai pas de cantine d'argent. Mais je fais des dons en médicaments, en soins. Quelqu'un qui est malade, je paye ta consultation. Tu me dis, ma faut, on m'a prescrit la radio scanner, tout, je paye et les médicaments. Et je vous dis, il faut aller à Condéngué voir. J'estime qu'il y a des gars dehors aussi qui peuvent se battre. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, il y a des jeunes gars qui font la broderie des tenues anglophones.
ce que je veux faire, c'est leur aider à vendre leur tenue. Bah, je ne donne pas l'argent aux gens. Niette. Mais j'apprends aux gens à gagner de l'argent. Donc, ce que je veux faire, ce que nous sommes en discussion, c'est que je vous attends, vous, d'acheter les tenues tissées à la main par des artistes pour s'en sortir et déplacer des guerres. Quand tu achètes une tenue, tu ne me donnes pas l'argent. Hein. Tu envoies chez eux, je te fournis la tenue. Voilà comment je peux apporter l'aide. L'argent, je ne donne pas. Même dans ma famille, je ne donne pas l'argent. Avant, je donnais. À peine tu donnes l'argent, là, ils vont pas. Tu donnes quelqu'un 50 000. Après, demain, il n'a plus. Est-ce qu'il sait comment tu as fait pour avoir 50 000 là? Tu donnes à un frère 100 000. La première femme qui voit brune, il grague, là, ça sort au bas, il chope avec tout l'argent, pam. Quand je dis, quand après, il te dit que c'était d'abord l'argent, ça. L'argent a d'abord été combien? Mais 100 000. Ils m'ont dit, maintenant, tant y a. Ils m'ont dit, voilà. Donc, je fais de mon mieux et je profite. Et n'oubliez pas que j'ai deux enfants que j'assume. C'est mon orphelinat. C'est mon orphelinat, mes deux enfants. Donc, nous allons aider des jeunes en prison, par exemple, pour apprendre peut-être à faire des cours, apprendre à lire. Il y a des gars en prison, ça n'a même pas écrit leur nom. Ils ne savent pas écrire leur nom. Pourquoi ne pas les aider quand ils sortent à se mettre dans la société? Et quand même en prison, on tisse des chaussures, on brode des habits, on brode les sacs artisanaux. Ils peuvent se former là-bas. Et quand ils sortent, ils sont prêts. Je ne suis pas le gouvernement camerounais. Mais le gouvernement camerounais n'est jamais venu vers moi pour me dire, Mafo, tu as des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en place? Au contraire, ils me combattent. Pour avoir un papier au Cameroun, tu fais comme ça. Surtout nous qui sommes déjà avec des passeports rouges. Vous comprenez, non? Je joue pas à ce jeu, moi. C'est très compliqué. Nous qui avons un papier rouge, même ceux qui sont au pays, j'ai des amis qui sont partis au Cameroun avec des millions et des investisseurs pour faire orphelinat, pour avoir l'agrément. Maman, ça fait 3 ans que le gars a dit tchoko, 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 on bouffe. Quand il y aura le changement, oui, j'espère que quand il y aura le changement, les choses seront faciles. Donc, je vous aime. Je vous adore. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h. Ça sera le direct des pieds dans l'eau. Je veux continuer à soutenir mon homme à jouer au golf. Est-ce que tu sais, Jeannette, il y a des gens, quand je leur dis, va voir un général ambazonien qui a tué les gars du B. Le gars, là, il dit, que mon nom ressemble aux papiers. Quand je parle à Kondingi, j'écoute tout le monde. Tout le monde m'explique pourquoi il a posé son acte. Tu sais les risques que je prends à Yaoundé. Tu sais, tu parles de quoi? Je ne suis pas ceux qui bavardent ici en France hein, ou en Belgique. Je parle, c'est-à-dire, les deux côtés des prisons, mon nom est dans les registres. Ça peut me coûter. Si on me tue là-bas, toi qui vas nourrir mes enfants? Hein? Si même ces Camerounais qui n'aiment pas mon combat, me poignardent dans un couloir,
Tu seras avec moi? Tu vas parler de quoi là? J'ai trouvé le truc. Tu as trouvé le truc? Il faut vraiment passer, tu vois. Ah. Que le coude ici. L'épaule. Ah. Passe sous le menton. Ah. Quand tu passes le coude sous le menton, hein. Oui. Là-bas, le ballon, elle monte. Ah. Même que je fais un petit mouvement, il monte très haut. Ah. Il a trouvé le geste qu'il faut. Attendez. Oui, je regarde. Et on reconnaît le bruit de la montée de la balle. Oui. Oui. Waouh. Le bruit, c'est comme un salope, hein. C'est comme un frappement de main dans la poche, quoi. Le bruit. Tu fais le dessus de la balle. Ah, d'accord. Entendu le bruit. Mais quand en l'eau, t'as pas entendu, hein. Non. Parce que j'ai tiré un peu plus sur les bras. Oui. Il faut que ceci reste immobile. Oui. Comme ça. Il faut que le club pour les bras redescende comme ça. Oui. Bon, il va tourner un peu. Mais. Il faut vraiment bien accompagner les genoux à la fin. Mais la tête doit rester comme ça parce que si tu me fais comme ça, ouais. Et alors tu dois faire attention avec ceci aussi. Les bras qui doivent bien rester. C'est bon. Bien tendu. Ah oui, t'as bien vu, regarde. T'as vu oui. Le mouvement que je fais. Oui. Et la balle va droit et dans la bonne direction. Oui. Alors il faut tourner dans la manière, cette manière. Il faut travailler le geste alors. Et alors il faut pas, il faut aller lentement. Oui. Et pas forcer. Il doit partir tout. Si tu répètes le mouvement 30 fois, tu vas l'assimiler. Ouais, j'ai encore à l'améliorer. Voilà. Merci Jeannette. C'est vrai que si j'étais comme d'autres, j'allais faire les TikTok dans la baignoire, j'allais faire les TikTok dans le jacuzzi, j'allais faire le TikTok pour montrer influenceuse, machin. Non. Moi, mon combat, c'est zéro perruque, zéro maquillage. Je parle du Cameroun. Parce que ma retraite, je la vois au Cameroun. Je ne la vois pas ici. Vous pouvez comprendre ça. Donc, je vais essayer un peu de continuer pour le golf. Et je vous donne rendez-vous ce soir. À tout à l'heure. Je dois suivre les cours de golf. Sinon, papa est au rôle.